archéologie, professeur de proto-histoire à l'ULB, et il a écrit plusieurs ouvrages dont je vais vous en citer un qui pourrait vous intéresser, le Lotus et l'Oignon, l'égyptologie et l'égyptomanie en Belgique au 19e. Il s'intéresse beaucoup à ces questions et est commissaire souvent d'expositions sur ces thèmes-là également. Alors aujourd'hui, c'est un peu un autre sujet dont il va traiter en nous parlant de la vie à l'âge de bronze en Europe et en nous faisant dépasser les clichés misérabilistes sur le sujet. Voilà, lui c'est la parole. Voilà, vous m'entendez ? Que je suis un peu abîmé de la voix là pour le moment, et le micro ne sera pas inutile, ce qu'il est généralement dans les auditoires du ULB quand je ne suis pas enrhumé. Alors, vous serez un petit mot d'explication quand même sur cette carrière un peu bipolaire que je peux avoir avec un intérêt pour l'Égypte d'une part et pour l'archéologie de l'Europe d'autre part. L'Égypte, ça vient d'une autre vie, en fait, où j'étais l'assistant de Roland Kefner à l'ULB, et où je partais en fouille, d'ailleurs, en Égypte, au Proche-Orient, etc. Les aléas, disons, d'une carrière en archéologie et histoire de l'art, qui est jamais évident depuis très longtemps, ont fait que finalement, j'ai pris la succession, non pas de Roland Kefner, ni à ses livres de Goussen, mais de Pierre-Paul Bonenfant, qui était spécialiste, justement, de l'archéologie préhistorique à l'ULB. En l'occurrence, je me suis tourné plutôt vers les périodes récentes de la préhistoire, ce qu'on appelle parfois la proto-histoire. Dans une des définitions de la proto-histoire, c'est les âges des métaux. C'est synonyme des âges des métaux, c'est-à-dire l'âge du bronze et l'âge du fer, ces deux périodes qui nous mènent des années 2300-2250 avant notre ère, jusque un peu après l'arrivée des Romains dans nos régions, puisque, bien entendu, l'arrivée de César n'a pas signifié la fin de l'âge du fer pour autant. Il faut attendre les règles de Claude, même de Néron, pour voir la romanisation s'activer chez nous. Alors, cette période, ces deux millénaires et plus d'âge des métaux, sont une période qui est très largement négligée dans les manuels, dans les présentations générales, où on accorde en général beaucoup de sujets aux premiers hommes, à l'histoire des chasseurs de mammouths, que sais-je, et puis où on accorde aussi beaucoup de temps et beaucoup d'attention à justement cette romanisation dont je parlais et ses conséquences. Entre les deux, on oublie un peu qu'il y a eu quand même deux millénaires de culture, d'une culture matérielle sans écriture, bien entendu, en tout cas sans écriture conservée. Il est fort probable qu'à la fin de l'âge du fer, des documents ont été mis par écrit, y compris dans nos régions, mais aucun n'a survécu. C'est une période qui est importante pour l'ouverture, en fait, de ce monde préhistorique vers, entre autres, le monde méditerranéen. Et les échanges avec les Méditerranéens, comme vous allez le voir, sont extrêmement nombreux et extrêmement intéressants. Alors, au-delà du cliché misérabiliste, je vais peut-être éteindre une autre lumière, si je peux le faire, sans doute. Au-delà du cliché misérabiliste, pourquoi ce titre ? Mais parce que très souvent, dans la présentation de ces âges des métaux, c'est vrai pour toute la préhistoire d'ailleurs, l'accent est mis plutôt sur le primitivisme supposé de ces populations. Et je ne parle pas simplement du 19e siècle, je ne parle pas simplement du 20e siècle, ces clichés sont encore de mise de nos jours. Ils ont changé de support, c'est tout, mais il suffit de passer en revue les bandes dessinées qui peuvent être publiées ayant pour sujet Tessent ou Lessent. Il suffit de regarder les quelques contributions, en général très mauvaises d'ailleurs, au cinéma sur la même période. On
privilégie très fortement, toujours, encore, maintenant, cette perspective sur le barbare. Le bon barbare, parfois, mais le barbare quand même, celui qui n'a pas atteint les niveaux de civilisation des Grecs et des Romains, parce que n'ayant pas acquis, en fait, les outils qui lui ont permis de l'atteindre, ce niveau des Grecs et des Romains, c'est-à-dire n'ayant pas créé des structures étatiques, n'ayant pas créé les outils qui vont avec ces structures étatiques, entre autres en particulier l'écriture. L'absence d'écriture, évidemment, est un... comment dire, dans l'esprit du grand public, j'imagine pas le public qui est ici, mais en tout cas du grand public, un handicap majeur, c'est un handicap effectivement pour comprendre ces sociétés, mais l'archéologie justement offre quand même autant de voies d'accès à ces sociétés à travers la culture matérielle, mais une culture matérielle que nous sommes de plus en plus et de mieux en mieux capables de comprendre. On tourne un peu en rond avec ces clichés, et bien je vous montre par ma première image. Le chrono que vous avez en bas à droite est de Jean-Léon Huns. Le nom vous dira peut-être rien, mais les chronos l'Historia vous diront peut-être quelque chose. La série Nos Gloires des années 49-50 ont marqué des générations, dirais-je, enfin, en tout cas des décades d'écoliers et d'enseignants. Et ces chronos ont même servi de source parfois à certaines bandes dessinées, je pense entre autres à Bob et Bobette, qui ont accompagné entre autres mon enfance. Ma première image, sans doute, ça a changé depuis, mais de nos Celtes, des Celtes du nord-ouest de l'Europe, c'est ce que vous avez là, c'est des gens qui vivaient dans des cités palustres, qu'on appelle des palafites, ces villages construits sur les lacs, qui sont un des grands clichés du 19e siècle, et dont on sait maintenant qu'il ne correspond à rien du tout de réel. On en reparlera en fin d'exposé, puisqu'il s'agira quand même de détruire un peu quelques mythes au passage dans cet exposé également. L'image du village lacustre a été exportée avec succès vers les manuels d'école en France, en Belgique, mais c'est une image qui appartient à l'origine évidemment à l'archéologie suisse et dans une moindre mesure l'archéologie italienne également. Nous savons maintenant que l'âge du bronze, puisque c'est quand même celui-là qui nous retiendra principalement ce soir et non pas l'âge du fer, que l'âge du bronze nous mène des années 2300-2250 avant notre ère jusque là vers 800 avant notre ère. Nous savons que cet âge du bronze s'articule en trois phases, un bronze ancien, un bronze moyen, un bronze final. L'articulation entre l'ancien et le moyen est vers 1600, et entre le moyen et le final vers 1300. Nous avons de plus en plus de documents qui permettent de préciser cette chronologie, grâce entre autres à évidemment des méthodes de datation absolue, comme on les dénomme de nos jours, que sont, entre autres, la datation par la méthode du radiocarbone. Autrefois, et quand je dis autrefois, c'est il y a juste une centaine d'années, cette chronologie de l'âge du bronze, celle que je la présente maintenant, n'était pas acquise, bien entendu, les moyens qu'on a raffinés étaient encore moins acquis, et le résultat, c'est qu'on fait très volontiers, pas très volontiers, un peu malgré... la documentation, qui est quand même d'emblée assez riche, des amalgames qui sont illustrés ici en particulier par le tableau de Victor Lagis dans la salle des mariages de l'hôtel de ville d'Anvers, figurez-vous, le mariage des anciens Belges. Mariage des anciens Belges avec une druidesse assise sur un dolmen. On sait bien que les dolmens, vous avez un autre sur la gauche, sont très spécifiquement néolithiques, tout comme les menhirs, hein, je vous en montre un en bas à gauche. Dans ce paysage constellé de dolmens et de menhirs, voilà deux personnages qui se présentent devant la druidesse et qui sont censés être des Gaulois, eux, des Gaulois qui très certainement n'auraient eu cure de ces monuments du néolithique, d'ailleurs très largement déjà invisibles à l'époque.
Je vous signale quand même en passant que s'il y a un vecteur de cliché aujourd'hui encore, même si c'est avec un clin d'œil, c'est Astérix Obélix, évidemment. Dans la Serpe d'Or, l'accès au repère des brigands dans la forêt, c'est en dessous d'un domaine, un domaine qui est présenté comme étant parfaitement contemporain de nos amis Astérix et Obélix. C'est pas très grave, mais en général, il s'agit quand même de corriger ce genre de vision une fois que les anciens lecteurs de BD deviennent des étudiants en université et croient peut-être que effectivement ces domaines sont contemporains d'Astérix et Obélix. L'archéologie de l'âge du bronze est donc une archéologie qui a en gros un siècle et demi. C'est une science jeune, en d'autres termes. À un siècle et demi, les pionniers, je ne vais pas vous les énumérer ici, mais il y en a un qu'on perd un peu de vue en général, surtout dans le cadre francophone, parce qu'il est germanophone. Heinrich Schliemann, Schliemann que vous connaissez évidemment comme le découvreur de Troie, bien entendu. Je vous montre sur la droite le fameux trésor de Priam, qui a été trouvé par lui à Troie, qui est peut-être une composition de Schliemann, donc ça s'appelle. Une autre histoire, vous pouvez faire un autre exposé là-dessus, mais les objets sont authentiques de toute manière, ça n'y a pas de problème. Schliemann, c'est aussi effectivement l'inventeur, si je puis dire, de l'âge du bronze en Europe. Certes, il travaillait en Grèce, mais la Grèce de Mycène, la Grèce des grandes sépultures avec les masques, hein, parce que la manière d'un carminon, vous le connaissez certainement, c'est une découverte de Schliemann, c'est la découverte en fait de la réalité archéologique qui se cache derrière l'Iliade, derrière l'Odyssée, c'est de montrer que ces textes, effectivement, illustrent une période de la préhistoire, puisque pour l'origine, en tout cas, il n'y a pas de texte, en Grèce, il y en a, mais ils ne sont pas nombreux, que donc il y a une réalité préhistorique derrière les textes de Homère, et que cette réalité correspond à ce qu'on pourrait appeler, enfin, ce qu'on appelle actuellement l'âge du bronze, d'où cette terminologie, mais c'est qu'effectivement le bronze, le métal, c'est un alliage hein, composé d'étain et de cuivre, est le métal le plus utilisé à l'époque, c'est pas le seul, mais c'est aussi à l'image en fait de la subdivision de l'histoire du monde, dès que justement ces mêmes Grecs, mais cette fois c'est à Hésiode que je pense, c'est plutôt qu'à Homère, avaient déjà proposé dans l'Antiquité. On se réfère encore tous parfois à un âge d'or de tel ou tel ou tel. C'est un concept qui nous vient des Grecs et c'est un concept qui est lié aussi à une vue en fait relativement pessimiste de l'histoire de l'humanité où d'un âge du bronze on passe à un âge d'argent, puis un âge du bronze et puis un âge du fer, longue décadence dans l'esprit d'Hésiode. Les archéologues vous montreront que en quelque sorte, en tout cas, dans cette préhistoire récente, il n'y a que progrès et progrès constant dans l'histoire de l'humanité. Je n'irai pas jusqu'à l'époque contemporaine, on peut se poser des questions parfois, mais en tout cas, pour l'Antiquité, progrès et progrès constant, et symbolisé en fait par l'acquisition, effectivement, de métaux nouveaux, et tout ce que ça entraîne. Le bronze, effectivement, comme c'est un alliage de cuivre et d'étain, est en fait un alliage de métaux rares. Qu'il a de tout temps fallu aller chercher pour l'essentiel des Européens ailleurs. Ailleurs, ça veut dire que l'âge du bronze marque en fait le début des relations internationales. En Europe, en tout cas, il fallait aller chercher ce cuivre parfois très loin. Et il fallait chercher cet étain parfois très loin. Je pense à nos propres régions, qui ont ni l'un ni l'autre. L'étain, chez nous, venait par exemple des Cornouailles. Ce qui entraîne évidemment toute une série de conséquences. Les Cornouailles, il faut les bateaux. Hein. On y reviendra. L'archéologie de l'âge du bronze ne cesse de progresser aussi, d'avancer, de produire des choses parfois extrêmement étonnantes. Une des dernières acquisitions, c'est ce disque qui a une bonne vingtaine de centimètres de diamètre, trouvé à Nebra, donc en Saxe, dans le nord de l'Allemagne. C'est un disque sur lequel se trouve représenté, est-ce que je dois vous préciser, un disque justement
doré, un croissant doré et un certain nombre de petites pastilles. C'est un ciel de nuit. En fait, la patine d'origine de l'objet est une patine artificielle noire. C'est bien un ciel de nuit qui est représenté ici avec les étoiles. Le petit groupe de 7 étoiles que vous avez en haut à droite, c'est les Pléiades. Le disque, c'est probablement le disque lunaire et non pas le disque solaire. Et le croissant, le disque lunaire. C'est un objet en fait qui a des fonctions astronomiques. C'est un objet de visée. On a pu le démontrer et il ne fonctionne qu'à l'endroit où il a été trouvé, bien entendu. Donc il y est vraiment à l'endroit de sa découverte. Vous noterez encore un détail parce que je vais revenir sur celui-là tout à l'heure. C'est l'élément que, je ne sais pas si ma flèche va apparaître, qui est là. C'est en fait la représentation d'un bateau. D'un bateau. Parce que on connaît peu de choses de la religion à l'âge du bronze, mais s'il y a une chose qui est acquise quand même, c'est que manifestement certains des peuples de l'âge du bronze européens vénéraient, disons, pour faire vite, le soleil, et que la course du soleil pour eux se faisait en deux étapes, une course diurne qui est liée au char, le soleil à ce moment-là était tiré sur un char, et une course nocturne, un soleil de la nuit, qui se fait en bateau, et le bateau, le voilà. Ce disque a connu plusieurs phases d'aménagement, montrant d'abord une longue utilisation, et puis ensuite sans doute un passage d'une première lecture du disque en termes lunaires vers un deuxième. Une deuxième lecture qui elle, est solaire. Vous voyez que le bateau n'apparaît que dans la troisième étape de l'aménagement du disque. Sans doute que cet objet qui d'abord servait dans la prédiction d'éclipses lunaires change de fonction et vraisemblablement acquiert alors des fonctions qui sont liées aux avatars, dirais-je, du disque solaire. Un objet en bronze, une bonne partie de ce que nous connaissons de l'âge du bronze, si vous ne vous étonnez pas, est en bronze, effectivement, est en métal. Pendant très longtemps, en fait, on a défini de manière trop stricte la matérialité de l'âge du bronze en ce terme de bronze, comme s'il n'y avait que cela, comme si l'âge du bronze était une période exclusivement de fondeurs de métaux et de porteurs de métal. De porteurs de métal, je pense entre autres en particulier aux guerriers qui sont fortement représentés dans notre documentation. Là aussi, les fouilles récentes ont montré qu'évidemment, il faut s'y attendre, c'est beaucoup plus subtil que cela. On connaît de mieux en mieux l'habitat de l'âge du bronze, on connaît de mieux en mieux les rites funéraires de l'âge du bronze, on connaît de mieux en mieux le tout un chacun de l'âge du bronze. Alors qu'au XIXe siècle, comme les archéologues visaient à l'époque essentiellement les structures, je pense entre autres, en particulier aux tombes, qui pouvaient fournir des objets que je qualifierais de muséables, donc qui étaient destinés à orner une vitrine de musée, comme donc au XIXe on faisait que ça, on ne trouvait que ça, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on envisage quand même les choses un petit peu plus largement et on essaye de remettre en contexte l'objet exceptionnel. Je vous montrerai quand même beaucoup d'objets exceptionnels ce soir parce qu'il s'agit pour moi justement d'aller au-delà du cliché misérabiliste, donc de bien montrer que l'âge du bronze n'a rien de misérable. Mais au-delà de ça, donc, il y a effectivement tout le quotidien de l'âge du bronze, beaucoup moins spectaculaire, beaucoup moins muséable, mais évidemment nous aidant très largement à la compréhension de quand même 2000 ans de l'occupation humaine de cette Europe occidentale qui est mon sujet de ce soir. C'est entre autres en particulier avec le développement de ce qu'on appelle l'archéologie préventive, hein, qu'on connaît mieux l'habitat, qu'on connaît mieux les nécropoles ordinaires, dirais-je. L'archéologie préventive, vous savez, c'est cette archéologie qui prend en fait les choses un peu à revers, en quelque sorte, ou à rebours. Ou peut-être plutôt dans le bon sens, qui n'était pas celui d'autrefois, c'est quand un site est menacé qu'on fait de l'archéologie préventive sur le site, et donc on ne va plus choisir les sites en fonction
la qualité qu'il peut avoir ou la qualité qu'il pourrait avoir, on prend tout. On prend tout parce que dans la religion préventive, il s'agit d'abord de prévenir la destruction. Et dans la destruction, on ne fait pas de distinction. Dans ce qui va être détruit, on ne fait pas la distinction entre les sites, entre les donnes. Tout est enregistré, tout est accumulé, et tous les problèmes que ça comporte, évidemment, parce que on fait beaucoup plus de travaux de terrain de nos jours qu'autrefois. Il n'y a pas plus d'archéologues nécessairement pour étudier ce qui sort du terrain, et ça, ça pose évidemment un problème en soi. Les métaux évidemment occupent une place centrale dans l'étude de l'âge du bronze, et en particulier dans cet exposé-ci. À côté d'une production en bronze sur laquelle je reviendrai dans un instant, il faut noter aussi évidemment une production abondante d'objets en or. L'or a dans cette Europe de l'âge du bronze, la même valeur symbolique qu'elle a dans des sociétés comme l'Égypte pharaonique, celle de l'Égypte pharaonique ou celle de la Mésopotamie contemporaine, c'est-à-dire que les gens de l'âge du bronze avaient eux aussi évidemment constaté qu'il s'agit d'un matériel inaliénable, inimputrescible plutôt. Il ne change pas d'aspect après avoir été enfoui. Les archéologues sortent en général comme s'il avait été fabriqué hier. C'est pour la parure essentiellement qu'on se sert de l'or. Une parure qui a été retrouvée essentiellement pour certaines périodes, entre autres le bronze ancien, dans les sépultures, et qui pour les autres périodes, donc le bronze moyen, le bronze final, provient essentiellement de ce qu'on appelle les dépôts. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait typique de l'âge du bronze. On a enseveli je ne sais combien de trésors à l'âge du bronze. Ils étaient autrefois considérés comme essentiellement des dépôts de fondeurs, des objets, enfin du métal, qui avait été mis de côté par des fondeurs itinérants, qui parcouraient l'Europe, pensait-on. Qui n'aurait jamais été récupéré. On sait maintenant que ces dépôts, un terme plus neutre que trésor évidemment, que ces dépôts doivent être lus de manière très variée. Il s'agit, pour la meilleure partie d'entre eux, d'ensembles qui ne sont pas du tout liés au travail du métal. Ce sont des objets qui ont été volontairement mis hors circuit économique, essentiellement comme trésor voué, abandonné, soit aux dieux, soit aux morts, donc aux ancêtres ou aux divinités. Je dois aller très vite ce soir malheureusement, mais c'est un sujet qui en soi est évidemment extrêmement intéressant. Ce sont des objets donc, qui sont destinés en tout cas, qui ne sont pas destinés à être récupérés. Tantôt il s'agit d'objets en bronze exclusivement, tantôt il s'agit d'objets en or. Exclusivement, il s'agit très très rarement d'objets dans ces deux métaux combinés. Ça c'est assez curieux, mais bon voilà. Alors, vous avez deux exemples de cette parure en or typique de l'âge du bronze. Celle qui est en haut à gauche date d'avant 2000 avant notre ère. C'est vous dire que dès le début de l'âge du bronze, le travail du métal atteint des niveaux absolument remarquables. C'est ce qu'on appelle une lunule. Et de là aussi le nom qu'on donne à ce qu'on appelait aussi la cellule âge des métaux, qui est un groupe de recherche qui fonctionne ici en Belgique, avec une réunion annuelle, avec une revue qui paraît rassemblant les découvertes sur les âges des métaux en Belgique. Cette revue s'appelle Lunula. La lunule est un objet qui est typique des îles britanniques, comme l'objet qui se trouve en dessous. D'ailleurs, typique qui est des îles britanniques et sans doute porté les deux comme collier, au contraire de ce que propose la gravure 19e que vous avez à droite, où vous trouvez bien porté en collier l'objet qui est en bas à gauche sur le personnage, pas sur un druide bien entendu, mais l'autre collier, notre druide le porte en diadème sur la tête, comme vous pouvez le voir, ce qui est certainement une fausse interprétation. Tous ces objets sont relativement légers,
c'est pas des grandes quantités d'or qui ont été travaillées, mais c'est certainement la qualité intrinsèque du métal qui fait qu'on l'a choisi assez régulièrement, assez systématiquement même, pour la parure, avec manifestement des spécialistes à l'œuvre, quand il s'agit de fabriquer des objets comme cela. Les orfèvres et les bronziers, ce ne sont pas les mêmes artisans, manifestement. Les orfèvres, d'ailleurs, manifestement, dès le deuxième millénaire, dès le milieu du deuxième millénaire, utilisent des outils de haute technologie, dirais-je, en Europe occidentale, un outil comme le tour, par exemple. Le tour qui n'est pas utilisé pour la céramique, qui ne le sera pas avant l'arrivée des Romains, mais par contre, le tour est utilisé dans le travail du métal, comme on peut le démontrer de manière tout à fait probante. Pour bien montrer que je ne vais pas chercher mes exemples un peu au hasard pour faire bonne impression, pour vous convaincre de quelque chose qui serait peut-être même pas vrai, que cet âge du bronze, effectivement, est un âge d'or aussi. C'est ainsi que l'Union européenne, d'ailleurs, a qualifié l'âge du bronze lors d'une campagne du début des années 90, premier âge d'or européen. C'est vrai que l'âge du bronze donne une espèce de fond commun à toute l'Europe occidentale, un fond historique ou préhistorique, qui peut convenir évidemment à l'Europe telle qu'elle est conçue actuellement. Il faut retourner en arrière, évidemment, pour trouver des choses communes à tous ces pays qui forment actuellement l'Europe. Ce n'est pas à l'époque romaine que vous allez trouver un fond commun. Il y a plein de pays dans l'Europe, dans l'Union européenne actuellement, qui n'ont jamais été romanisés. Bien, donc pour bien vous montrer que je ne vais pas chercher un peu au hasard les quelques rares découvertes qui seraient des découvertes dignes d'intérêt, découvertes toutes récentes aussi, à Gouin, dans le Pas-de-Calais, pour le même prix, à 20 km près, c'était une découverte faite en Belgique. Je m'en fiche, mais bon, voilà. Un petit trésor aussi, composé exclusivement de parures, comme vous pouvez le voir, trois colliers, un bracelet, et alors, et vous en avez le détail aussi, un objet extrêmement curieux qui a été décrit par les collègues du Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye comme une ceinture. Ça pèse 2,5 kg, ça me semble un peu lourd comme ceinture, mais je n'ai pas non plus de proposition alternative à vous proposer. C'est juste un superbe objet dont les tampons, que vous voyez bien sur la photo d'ensemble, dont vous voyez le détail sur la photo de gauche, ont été réalisés effectivement aussi en utilisant le tour. Là, nous sommes sans doute 1000 ans plus loin que les lunules dont je vous parlais il y a un instant. En vous proposant l'âge du bronze comme sujet, je vous propose quand même une période relativement longue. Hein, ça fait 1,5 millénaire. C'est vrai qu'on est déjà dans l'accélération de l'histoire. Hein. Vous avez eu les exposés sur le paléolithique, sur le néolithique, si je ne me trompe, ce sont des périodes beaucoup plus longues. Au fur et à mesure que l'histoire humaine avance, évidemment, les périodes se font plus brèves, sont plus nettement rythmées. C'est vrai aussi que le matériel est plus abondant, nous arrivons à mieux le lire, à distinguer, chronologiquement, mais aussi géographiquement. Je vous disais tout à l'heure que nous avons un bronze ancien, un bronze moyen, un bronze final, mais nous avons aussi à l'intérieur de cette Europe nord-occidentale plusieurs ensembles qu'on a appelés des complexes techno-économiques, parce que ce qui lie le matériel de ces différents complexes, c'est essentiellement effectivement leur technicité. Il y a un complexe nordique, par exemple, enfin, je vais faire ça, un complexe atlantique dans lequel nous trouvons, et un complexe nord-alpin, un ibérique, un italique, qui tous peuvent être très clairement et très aisément distingués les uns des autres, mais qui sont en relation les uns avec les autres, manifestement. Ça, c'est donc, je pense, vraiment une des choses extrêmement intéressantes pour l'âge du bronze, et c'est peut-être ce qui me fait rester dans ce domaine d'étude, c'est que contrairement au village néolithique, qui généralement vit en autarcie, le village
de la rue de Londres, lui, depuis tout le monde d'Arcy. C'est l'ouverture vraiment vers un monde extérieur. C'est des échanges qui ne concernent pas seulement le métal, mais qui concernent toutes sortes de matières et sans doute aussi toutes sortes de personnes. Alors, toutes sortes de personnes, là, je pense à l'échange de spécialistes, et ça peut être sur la longue distance. Spécialiste, c'est quoi? C'est le bronzier, c'est le chaman, c'est. Etc. etc. Des échanges de personnes, ça peut vouloir dire aussi des échanges patrimoniaux, sur la longue distance, parfois, et c'est parfois démontrable. Alors, pour bien vous dire que nous ne sommes dans rien d'approximatif dans ce travail de l'or, ni dans le travail des alliages cuivreux, comme diraient mes collègues français, ce fléau de balance, trouvé à Marolles-sur-Seine, en Seine-et-Marne, l'or était pesé à l'âge du bronze, en Europe occidentale, donc en Europe transalpine, de l'autre côté des Alpes, au dixième de gramme près. Bon, c'est quand même vous dire que nous ne sommes pas ici chez de vagues barbares. Ce qu'ils produisent dans les années dont je vous parle est parfaitement du niveau, de la qualité de ce que la Grèce ou de ce que le bassin oriental de la Méditerranée produit. Quand vous voyez le matériel d'Issarique, par exemple, que je montrais tout à l'heure, photo noir et blanc, mais c'est pas toujours très, très flatteur. Ce matériel n'est pas de meilleure qualité, n'est pas de meilleure fabrication que celui que vous trouvez à même époque sous les côtes de la Normandie ou de la Bretagne. Donc, une notion qui fait partie aussi des clichés et qu'il faut absolument oublier de mettre aux poubelles, c'est Ex Oriente Lux. La lumière vient de l'Orient. Non. Pas dans la préhistoire. Pas dans la proto-histoire, en tout cas. Et entre autres, les inventions, les grandes inventions, elles ne viennent certainement pas d'Orient. L'âge, le bronze, par exemple, la métallurgie du bronze, que autrefois on croyait pouvoir attribuer au bassin oriental de la Méditerranée, justement, il est absolument clair maintenant qu'il est local. Nous avons des ateliers dans les Balkans, en Bulgarie en particulier, qui sont beaucoup plus anciens que les premiers ateliers de bronziers dans le Proche-Orient. Et nous avons manifestement, dans la péninsule ibérique, en Espagne, peut-être aussi au Portugal, mais dans la péninsule ibérique en tout cas, des traces du travail du bronze qui sont beaucoup plus anciennes que celles qu'on connaît au Proche-Orient. Ça ferait donc au moins deux pôles, et deux pôles indépendants, en Europe, et puis il y en a d'autres ailleurs, évidemment. Parce qu'il ne faut pas retourner non plus l'argument. C'est pas Ex-Occident, et Lux non plus. Hein. Le Proche-Orient a inventé son bronze, ses alliages cuivreux, tout seul comme un grand, dans différents pôles aussi, probablement, un d'entre eux en Anatolie, sans aucun doute, un autre vraisemblablement dans le sud mésopotamien, etc. Fléau de balance, c'est comme pas mal. Hein. Alors, cliché misérabiliste. Ça ne fait qu'un siècle et demi qu'on a dessiné ces deux gravures totalement absurdes, où vous voyez des gens qui sont vêtus de peau de bête à peu près, couler de magnifiques épées en bronze dans des moules ouverts. Bon, c'est impossible. Genre d'objets que vous avez déjà vus ce soir, les objets en or, entre autres, ces précieuses ceintures de guigne. C'est un objet qui a été fabriqué à la cire perdue. À la cire perdue en 1300 avant notre ère, en Europe occidentale, en Europe nord-occidentale. Bon, là aussi, c'est quelque chose qui ne vient pas d'Orient. Ça, c'est pas possible, évidemment. Ces gens qui savaient fabriquer des ors et des bronzes aussi raffinés que ceux que le musée nous propose, eh bien, ce sont des gens, évidemment, qui étaient aussi, parce que l'expression, propre sur eux-mêmes. Et on connaît maintenant. Les vêtements de l'âge du bronze, on connaît, on sait la façon dont ces gens se présentaient à leurs semblables, si je puis dire, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, puisqu'il s'agit là quand même de cerner un tout petit peu l'individu du bronze aussi, l'homme comme la femme d'ailleurs. À ce propos, parce que c'est en quelque sorte un vêtement, je passe à travail du bronze, et je passerai très rapidement parce que je n'ai pas le temps, un petit ensemble que je ne choisis pas au hasard non plus, mais pour lequel j'aurais pu remplacer par pas mal d'autres choses, c'est un ensemble en fait d'éléments de cuirasse trouvés à Fillinge, comme l'a dit Aldi. Nous sommes ici vers les 900 avant notre ère. C'est un dépôt qui a été trouvé aux alentours de 1900,
et un dépôt qui était composé très exactement de 9 cuirasses. 9 cuirasses, dont une, vous allez la voir dans un instant, avec un décor un peu différent. Donc c'est 8 plus 1, ça c'est très intéressant, parce que ça nous ramène de nouveau à ces anciens grecs, Hésiode et Homère. Les armées grecques homériques étaient organisées en unités de 9, figurez-vous. Ça transparaît tout particulièrement dans la relation d'Homère des funérailles de Patrocle. Eh bien, à l'âge du bronze, dans nos régions, manifestement, même chose. Ça, c'est intéressant. Parce que là, quand on commence à pouvoir montrer que un texte, enfin des textes comme des textes homériques, peuvent expliquer des choses que l'on trouve dans nos régions pour l'âge du bronze, eh bien, ça veut dire, d'une part, que le nouveau fonds commun, la Grèce ne fait pas exception, elle participe au même mouvement à l'âge du bronze que le reste de l'Europe. Et comme nous avons des textes pour la Grèce, des textes beaucoup plus anciens, eh bien, nous pouvons nous servir de ces textes pour expliquer des choses que nous trouvons chez nous et qui ne sont pas évidemment expliquées par des textes. Alors, ces cuirasses, faut-il le dire, sont une technologie, une haute technologie en matière du travail du bronze. C'est vraiment des objets tout à fait exceptionnels. C'est ces deux coques, en fait, hein, ce qu'on appelle un plastron, qui est posé sur la poitrine, et alors une dossière, qui est donc effectivement dans le dos. S'il n'y avait que Philinge avec 9 cuirasses, je ne dirais rien. Les Hésiodes de Homère, les Hésiodes parlent aussi de ce qu'on appelle les neuvaines, mais il y en a d'autres. Il y a un ensemble de Marmesse, dans le Mont-de-Marne, et récemment on a même signalé, exhumé, réexhumé une découverte ancienne qui a été faite sur Paris même, où de nouveau, il s'agit d'une série de cuirasses, et de nouveau c'est 9 cuirasses. Ça ne peut pas être un hasard, hein, que ce soit les 3 seuls dépôts, un tout petit peu importants en nombre de cuirasses que nous avons, c'est chaque fois 9. D'autant que nous avons des séries parallèles de casques qui fonctionnent en 9 aussi. Et c'est chaque fois avec le 9e qui est un peu différent des 8 autres. Donc c'est vraiment le chef et sa carte rapprochée. Alors Philinge, donc la cuirasse un petit peu particulière par rapport aux autres, c'est celle que vous avez ici sur la gauche, elle est particulière par son décor. Et vous voyez que sur les mains du personnage, ou autour de la poitrine du personnage, se contorsionne, si je puis dire, deux figures dont on voit essentiellement ce qu'on appelle le protomé, donc en fait c'est le buste, hein, avec une tête qui tient à la fois du cheval et de l'animal aquatique. En fait, c'est une des rares imageries, une des rares images que nous avons à l'âge du bronze. Et là, c'est quand même quelque chose qui est malheureux, c'est que ces gens de l'âge du bronze, dans le nord-ouest de l'Europe, ne produisent pas d'art figuré. C'est un des nombreux exemples de par le monde où, pendant de très longues années, des siècles et des siècles, les hommes n'ont pas produit un art figuré. Il n'y a pas de représentation anthropomorphe, il n'y a pas de représentation zoomorphe, sauf des images donc qui manifestement font allusion à ces deux animaux qui sont liés justement au cycle solaire, le cheval lié au cycle du jour, et le cygne, comme tracteur du bateau du soleil de la nuit, comme référent à la nuit. Sur la droite, c'est une évocation d'un dessinateur de BD d'ailleurs, on a fait du progrès depuis Bob le Gobot quand même, de la cérémonie qui aurait mené au dépôt des cuirasses de Philinge. Je vous dirais que c'est très libre. Dans le sens où la seule chose qui est sûre, c'est que ces cuirasses ont été trouvées effectivement autour de ce qui semble avoir été un grand foyer, c'est donc une tente dans le sein, mais pour le reste, malheureusement, la découverte est un peu trop ancienne, 1900, pour qu'on puisse aller très loin. Bon, avec ces cuirasses, évidemment, je vous raconte encore autre chose, j'essaie de faire un exposé avec chaque fois plusieurs niveaux d'approche, image par image. Avec ces cuirasses, évidemment, nous abordons encore autre chose, c'est que sa position centrale du guerrier dans cet âge du bronze. Il apparaît en fait dès le début de l'âge du bronze, et il est très présent surtout dans l'archéologie de la fin de l'âge du bronze, avec des découvertes de dépôts, donc réunissant de l'armement qu'on qualifie de défensif,
les cuirasses, les casques, je vous en parlais déjà, des boucliers aussi en bronze. Et alors, avec la découverte aussi d'armements offensifs, et là très souvent, dans un contexte qui est très typique aussi pour l'âge du bronze, et à travers toute l'Europe, les rivières. On a jeté des centaines d'objets dans les rivières à l'âge du bronze. Probablement dans le cadre de rites funéraires. Jeter un objet dans la rivière, c'est le faire passer à travers une surface miroitante, donc en quelque sorte de l'autre côté du miroir. Vous connaissez tous cette expression, évidemment, passer l'arme à gauche. Hein, dans un miroir, votre image est renversée. Bon, maintenant, passer l'arme à gauche, la première fois que je suis venu à l'esprit en regardant les objets de l'âge du bronze, je me suis dit, ah, c'est chouette, je vais trouver ça chez un auteur grec ou chez un auteur latin. Ah ben non, passer l'arme à gauche, c'est une expression qui est extrêmement récente. C'est Alfred de Musset, en fait, qui l'a introduit dans la littérature française. Bon. Le guerrier, donc, cuirasse, casque, bouclier, et même des cnémides, hein, on a des protèges tibias. Vous en avez un ici sur la gauche, le Calécluse, en Seine-et-Marne encore. Ces guerriers bardés de bronze sont en fait surtout des guerriers d'apparat, dans tous les sens du terme. On a fait de l'archéologie expérimentale avec ces objets en bronze, ils sont totalement inefficaces. Avec un bouclier en bronze, vous ne vous protégez pas. Ça se déchire au premier coup. Ce qui est efficace, c'est un bouclier en cuir. Vous en trouvez aussi. Hein. Alors, la question, évidemment, c'est est-ce que nous avons à l'âge du bronze une société guerrière? Est-ce que la guerre fait partie intégrale de l'âge du bronze? Est-ce que c'est une époque de conflit? À vrai dire, il y a beaucoup d'armes, effectivement, dans notre documentation archéologique, mais il y a très peu de traces de conflit. À l'âge du fer, avec les Celtes, là, beaucoup d'armes aussi dans l'archéologie, mais par contre aussi des traces de conflit. Donc la réalité de la guerre semble plus réelle à cette époque-là. Bon, ceci dit, on ne s'arme pas pour rien non plus, même si c'est pour la parade, c'est quand même pour marquer un territoire, un terroir par rapport aux autres. C'est-à-dire que l'Europe, à l'âge du bronze, sans doute déjà, est relativement pleine, même si le nombre d'habitants devait être relativement restreint, évidemment. Mais à vrai dire, on pense que s'il y a quelque chose qui vient en reste à l'âge du bronze, mais qui va vite évoluer à l'âge du fer, par contre, ce sont les techniques agricoles. Les techniques agricoles qui ne permettent pas une production très importante et qui font donc que le nombre d'habitants est resté à travers tout l'âge du bronze probablement relativement restreint. Ces armes, on les trouve même parfois représentées. Je vous disais que l'âge du bronze, c'est à travers toute l'Europe une période où on n'a pas représenté ou très peu représenté l'homme et l'animal. L'exception, ce serait le monde nordique, on verra ça tout à l'heure d'ailleurs. Il y a toutefois des objets comme ceux-là, ces trois stèles qui ont été trouvées dans le sud de l'Espagne, qui ne sont pas aniconiques dans le sens technique du terme, mais qui, comme vous pouvez le constater, évitent quand même la représentation humaine, en tout cas, le guerrier, c'est des stèles qui étaient sans doute érigées sur des sépultures, le guerrier n'est pas représenté, donc il est présent là donc, mais ces armes par contre sont représentées sur celle de Rosas, sur la droite par exemple, vous reconnaissez aisément, de Basreau, l'épée, le bouclier et une pointe de lance, alors que sur la pièce centrale de Santa Ana de Trujillo, en haut vous reconnaîtrez sans doute un casque. C'est toujours les mêmes pièces qui reviennent. Celle de Torrejón sur la gauche est intéressante parce que là tout en haut c'est semble-t-il une image très simplifiée d'un char qui se trouve figuré d'un char qui serait même tiré par deux chevaux. Alors je suis en train d'essayer de vous faire comprendre que les gens d'âge du bronze étaient des gens raffinés qui faisaient des choses qui sait bien les choses d'une part, et qui savait sans doute aussi s'accorder des moments, comment dire, hors production, des moments de repos, des moments où c'est l'art, la littérature, la musique qui prennent le relais. Ben, la musique, en tout cas, je peux vous le démontrer, puisque l'âge du bronze européen a livré aussi des instruments de musique. C'est relativement limité, hein. Il y a des instruments de musique, évidemment, qui laissent très peu de traces en archéologie. Vous savez sans doute déjà, après les exposés précédents, qu'un des grands problèmes de l'archéologie, évidemment, c'est la production d'objets en matière organique. Ceux-là ne sont très rarement conservés.
sauf conditions exceptionnelles, et on y verra, on y viendra tantôt, sauf conditions exceptionnelles, donc nous n'avons pas de bois, nous n'avons pas de cuir, pas de matière organique, tout simplement. Les conditions exceptionnelles, c'est soit extrême humidité, et ça, ça se rencontre quand même de temps en temps en Europe, soit extrême sécheresse, ce qui se rencontre moins souvent en Europe, mais il y a au moins un cas, c'est celui du sud-est de l'Espagne. L'extrême sécheresse, évidemment, explique que nous avons en Égypte ou sur la mer Morte, par exemple, des objets en vanerie, des objets en matériaux extrêmement fragiles, qui remontent parfois jusqu'à 6000 ans avant notre ère, conservés parfaitement. Donc, dans les instruments de musique, ce qui est conservé, c'est les cuivres, dirais-je. Bon, c'est, en fait, c'est du bronze. Et je vous montre ici deux trompes. Les trompes d'appel, hein, pas moyen de jouer à Peter là-dessus, mais quand même, deux trompes d'appel qui viennent de d'Irlande, l'une et l'autre. L'une est dans un contexte qui est assez classique aussi pour l'âge du bronze. On a beaucoup d'objets à l'âge du bronze, je vous le disais tout à l'heure, dans un premier contexte humide qui est la rivière, on en a beaucoup aussi dans un deuxième type de contexte humide qui sont les tourbières. Alors les tourbières, c'est quelque chose qui est très typique du nord de l'Europe, nord de l'Irlande, nord de l'Angleterre, le nord des Pays-Bas, le nord de l'Allemagne et surtout aussi les pays scandinaves, c'est lié à la présence des glaciers à la préhistoire. Dans ces tourbières, endroits perdus, marais brumeux, plein d'objets ont été déposés aussi, volontairement abandonnés. C'est vraiment, l'âge du bronze, c'est essentiellement ça. Les périodes où on abandonne volontairement des quantités de choses. Parfois pour des raisons tout à l'évidence, souvent pour des raisons qui nous échappent totalement, il faut bien dire. Dans le même genre, et avec une sonorité qui est proche du Alpenhorn ou des trompes tibétaines, on a fait des essais, ce qu'on appelle les lourds, L-U-R, là c'est plutôt typique du nord de l'Allemagne et de la Scandinavie, un exemplaire ici, qui provient de Grunewald, au Danemark, des objets qu'on trouve quasi toujours en paire. Je parlais tout à l'heure d'objets trouvés par série de 9. J'ai pas le temps non plus, mais je pourrais vous parler d'objets trouvés en série de 12. Bon, la 12, vous sentez déjà que ça devient très astronomique. Hein. En fait, c'est pas lié au mois, parce qu'on compte pas en 12 mois, mais c'est lié aux 12 jours qui séparent la fin d'une année du début de l'année suivante. Et attention, vous calculez encore comme ça, sans le savoir. 12 jours, c'est exactement ce qui sépare la Noël de l'Épiphanie. Et c'est par hasard. Bon, j'aurais donc vous parler de séries de 12, et puis aussi, il y a énormément d'objets qui viennent en paire. Et là aussi, c'est clairement voulu, c'est souvent des objets qui sont des vraies paires, dans le sens premier du terme, pour des objets métalliques qui sortent même d'un même moule, parfois. Il y a là aussi une volonté, certainement, d'exprimer quelque chose. Bon, le quelque chose est lié probablement à l'existence d'une paire de jumeaux divins. Pensez aux différentes littératures, aux différentes religions, dans le contexte indo-européen, les jumeaux, ils sont très présents, et nous sommes chez les indo-européens. On peut se servir des textes grecs, on peut se servir des textes hittites aussi, mais on peut se servir globalement, je pense aussi, de ce que nous savons sur la religion. Et les systèmes de pensée de ce genre, des systèmes indo-européens, comme Georges Bézil les avait illustrés. Georges Bézil est un peu dépassé, je le sais, bien entendu, mais sa recherche reste quand même fondamentale dans le sens que les scientifiques accordent à ce terme. Dans les tourbières irlandaises aussi, cet objet est extrêmement curieux. Enfin, 16 objets pluriels extrêmement curieux, puisque, je sais bien, Newfoundland. Il y en a d'autres, hein, mais je l'ai retourné pour le dessin par rapport à la photo. Donc, à Dunavernet. Et là, c'est, en fait, un objet qui est, on le sait, un crochet à viande. Un crochet à viande, comme on a aussi, des grands chaudrons, pour la cuisson, comme on a aussi, des broches à rôtir, des broches à rôtir articulées, qui sont des chefs-d'œuvre de l'art du métal. On parlait de l'art, de la littérature, de la musique tout à l'heure, je pense que c'est peut-être un petit peu la dose.
Mais ce que les gens de l'âge du bronze savaient bien faire aussi, c'est boire et manger, très clairement. Boire et manger, on a trouvé des instruments parfois extrêmement raffinés qui permettent en tout cas le service de ce, à la belge, hein, de se manger et de se boire. Et alors dans le boire, il y a certainement des boissons alcoolisées. Les boissons alcoolisées, ça depuis le début de l'âge du bronze, c'est pas du vin, bien entendu, pas en tout cas dans l'Europe non méditerranéenne. Dans l'Europe méditerranéenne, oui, et je suis très content. Chez nous, c'est plutôt des variantes sur la bière et l'hydromel, bien entendu. C'est une boisson que les Celtes consommeront encore de 1000 ans après. Alors, il faut avoir de la chance, parfois, en archéologie, pour pouvoir faire avancer un peu les recherches. Et de la chance, eh bien, nos collègues danois en ont eu avec la conservation exceptionnelle du mobilier funéraire, de toute une série de sépultures sous tumulus. Le tumulus, c'est ce que vous voyez ici sur la gauche, principalement dans le Jutland, et ce sont des tumulus qui datent presque tous de la même époque, entre 1400 et 1300 avant notre ère. Ce sont des dates d'anthropologiques qui ont permis de le dire. Les dates d'anthropologiques sont beaucoup mieux qu'une date radiocarbone. La date d'anthropologique, évidemment, ce sont ces datations qu'on obtient par le décompte des cernes des arbres, ces datations qui sont parfois à l'année près et qui, dans le meilleur des cas, sont à la saison près. On peut dire, pour certains de ces tombes danoises, que l'individu, on ne connaît pas le nom forcément, qui se trouvait dans le tel sarcophage en Wachel, a été enseveli en 1368 avant notre ère, et sans doute en hiver plutôt qu'en automne. C'est extraordinaire, évidemment. On n'a pas la même précision pour tout en canon, hein. On ne connaît pas, d'accord. Mais on ne connaît pas exactement la date de décès. Bon, c'est un peu du jeu, hein, là, mais... Voilà, ces tumulus se sont extraordinairement bien conservés parce qu'ils ont été envahis justement par des tourbières. Et les conditions de conservation sont donc des conditions d'extrême humidité, conditions qui ont permis la conservation de matière organique, en l'occurrence du bois, du cuir, des objets en écorce, extraordinaire. Et pour ce qui est du défunt lui-même, ses vêtements, souvent de la laine, ses vêtements, et pour ce qui est du cœur, la peau, les ongles, les cheveux, mais pas toujours le squelette. Parce que ce sont des conditions relativement acides qui tannent la peau en fond du cuir, qui fait qu'il est conservé, mais qui dissolvent l'os, ce qui fait qu'il n'est pas toujours conservé. Alors, vous avez un exemple ici à Kuldhøy, désolé pour les noms scandinaves, dégagé dans les années 20, donc le cercueil est encore fermé, et puis après l'ouverture, vous voyez entre autres apparaître sur la photo en bas à droite, un petit siège pliant, figurez-vous. On ne s'attendrait pas à trouver des choses pareilles, évidemment, dans l'âge du bronze européen. Eh ben, le voilà, le petit siège pliant. De plus, daté, justement, c'est lui, hein, de 1368 avant notre ère, exactement, sa date de fabrication. Dans la même sépulture de la vaisselle en bois, vous l'avez tout en haut à droite, de la vaisselle en écorce, des boîtes en écorce de bouleau, vous l'avez aussi sur le cliché de droite. Et la comparaison a été faite dès la découverte avec des exemples mycéniens que vous avez en bas à gauche. Il y a là encore une question qui est importante pour l'âge du bronze européen. Je parlais déjà tout à l'heure des connexions avec la Méditerranée. Justement, les connexions avec la Méditerranée sont extrêmement intrigantes, extrêmement importantes. Il y a des connexions avec la Crète très tôt. Il y a des connexions avec Chypre, très tôt. Chypre, c'est le métal. C'est quand même un des grands producteurs de cuivre. Et alors, il y a des relations étroites, semblerait-il, entre l'Europe nord-alpine, mais aussi l'Europe nordique, et la Grèce mycénienne. Alors, la petite chaise pliante, qui a vraiment de sérieuses affinités avec le monde égyptien aussi, mais surtout avec le monde mycénien, il n'est pas là par hasard. C'est le résultat d'échanges qui vont beaucoup plus loin que simplement l'échange de marchandises. Il s'agit d'échanges culturels, et c'est pour ça que je citais tellement au début de l'exposé aussi sur cette question qui était centrale à l'étude de l'âge du bronze. Nous étudions, pour ce qui est de l'âge du bronze, des sociétés qui ne vivent plus en autarcie. On peut parler, sans se tromper, d'influence des uns sur les autres,
et ça ne va pas toujours, c'est le condamné l'idée de l'extériorité luxe tout à l'heure, ça ne va pas toujours évidemment de l'Est vers l'Ouest, hein, ça peut aller dans l'autre sens également. Toujours pour les mêmes sépultures danoises, à Borumesøy cette fois, c'est deux tombes différentes, hein, que je vous montre, une tombe féminine sur la gauche, vous voyez les états de conservation sont très variables, il n'y a pas le moindre brin de peau qui a été conservé, par contre les cheveux, oui. Alors, attention, nous sommes au Danemark, il ne faut pas penser automatiquement que c'est une blonde. Les tanins des tourbières font changer la couleur des cheveux. Et systématiquement, tous ces personnages trouvés dans les tourbières, que ce soit dans ces tombes ou dans d'autres circonstances, ont soit chez les cheveux blonds, soit les cheveux roux. Mais ils sont devenus blonds ou roux à cause des tanins, de nouveau, et pas parce que le personnage l'était à l'origine. La dame sur la gauche a une petite boîte en écorce de bouleau à côté de son visage. Et alors sur la droite, c'est un exemple assez curieux, un jeune homme, drapé dans un manteau, comme vous pouvez le voir, extrêmement bien conservé, lui aussi a la petite boîte sur sa gauche. Et alors sur lui, une épée, en tout cas, c'est ce qui semblait s'annoncer. Vous avez le fourreau en bois qui est conservé, qui est dessiné sur la gauche, mais dans le fourreau, il n'y a pas d'épée, mais un poignard. Ça, c'est pour faire comme. Hein. C'est pour faire comme, et ça montre peut-être, ça c'est un autre aspect mais que je ne veux pas approfondir ici, que dans les rites funéraires de l'âge du bronze, quand on aménageait une sépulture comme celle-là, elle n'était pas nécessairement fermée immédiatement. Il y a sans doute une exposition des morts, comme on le fait chez les Grecs aussi, hein, comme on le fait chez les Hittites, une exposition des morts qui font que on peut considérer donc tous ces ensembles funéraires comme des ensembles d'apparat aussi. L'apparat, c'est vraiment central. Hein, à l'âge du bronze, l'apparat des guerriers avec leur cuirasse inutile, en quelque sorte, ou l'apparat des morts, ici. Alors, le plus bel exemple, c'est la favorite de la plupart des spécialistes de la période, c'est la jeune fille d'Eltvet. La jeune fille d'Eltvet, dont, de nouveau, les vêtements et la couche étaient beaucoup mieux conservés que le corps. Elle avait été posée sur une fourrure, que vous voyez très bien encore sur la photo de droite, toujours dans un sarcophage en chêne. Hein. Sa blousette avait été conservée, avec des manches trois quarts, et alors une curieuse jupette assez courte, faite de cordelettes, et une ceinture qui venait se glisser dessus, avec le disque que vous voyez en haut à gauche. Alors un collègue danois a étudié ce disque et tous les disques semblables, parce qu'il y en a plusieurs dans les tombes dont je suis en train de vous parler, c'est encore des objets avec des connotations astronomiques. Bon, le calcul est plus compliqué qu'avec le disque de Nebra que je vous montrais tout à l'heure, mais ces objets renvoient aussi, et de manière combinée, au cycle solaire comme au cycle lunaire. Très clairement, dans ces sociétés de l'âge du bronze, ceux qui savaient prédire les différentes phases du cycle solaire ou lunaire, évidemment des gens qui étaient destinés à avoir un certain pouvoir, ce qui est clair en tout cas, d'après la documentation qu'on a, d'après toute une série d'indices, il y a des questions tout à l'heure que je peux répondre, c'est des gens qui, entre autres, savaient prédire les éclipses. On peut le démontrer par A plus B. Bon, le petit peigne est assez charmant aussi. Et alors, quand on a évidemment ce type de matériel-là, ça devient très tentant, mais très tentant, de faire des reconstitutions. Alors, voilà ce que ça donne. À gauche, c'était pour une exposition qui a eu lieu à l'abbaye d'Aulas en Bretagne. Et à droite, c'est une reconstitution qui a été faite pour le musée de Copenhague. Les objets sont à Copenhague. Vous voyez ce que ça donne, hein, avec le disque sur le ventre du personnage, un disque solaire sur le ventre du personnage. Est-ce qu'on ne peut pas penser, je le pense avec mes collègues au Flamenco, collègues danois, que cette petite jeune fille d'Eivet n'était pas juste une petite jeune fille d'Eivet, mais bien une prêtresse solaire. Prêtresse solaire, dont on a parfois imaginé aussi qu'elle était danseuse,
et que sa danse devait évoquer la naissance, provoquer même la naissance du soleil. Bon, c'est pas une mauvaise idée. Regardez la petite figure en haut à droite. Il disait que, en gros, l'Europe est aniconique. En gros, il n'y a pas de représentation anthropomorphe, pas de représentation zoomorphe. Je vous ai déjà dit que le monde nordique était exceptionnel. Dans le monde nordique, il y a quelques statuettes en bronze, entre autres celle que je vous montre là. C'est un personnage qui fait une culbute en arrière et qui ne porte que, semblerait-il, une petite jupette à cordelette, exactement comme celle qui est portée par la petite bretonne de gauche de ma projection. Bon, elle semble porter que la jupette, ce qui fait que dans les reconstitutions de ces danseuses du soleil, évidemment, il y a toute une version aussi où on s'arrête à la jupette et au disque. Je vais vous montrer ça, mais sans dire plus long sur les collègues pour ces reconstitutions-là que sur la donne archéologique, je pense. Mais voilà, un parallèle égyptien, la même attitude, et là, à mettre en liaison, dans les textes, très certainement, avec la déesse Nout, qui est la déesse qui, tout le matin du monde, met le soleil au jour. Comment expliquer ces correspondances entre le lointain nord et un lointain sud? Je peux le faire dans l'état actuel de la question, mais ces parallèles, ces correspondances sont multiples. On vient voir le siège pliant, lointain nord. Il y a là quelque chose qu'on ne comprend pas encore. Mais ce monde nordique nous cache encore des choses extrêmement intéressantes, selon moi. Oui, alors, les vêtements de nos amis scandinaves de l'âge du bronze, c'est du très costaud par rapport à des choses qu'on a trouvées, par exemple, en Irlande. Je montre ici des exemples de passementeries en crin de cheval trouvées dans des tourbières d'Irlande. Quand je vous disais que l'âge du bronze européen n'a rien de moins raffiné ou de moins... moindre qualité que l'âge du bronze d'Anatolie ou du Proche-Orient, mais je crois qu'une image comme celle-là vient le confirmer. Dans le Haut-Nord, donc, des images anthropomorphes, mais aussi du zoomorphe. Et là, je reviens à mon disque de Nebra avec un objet qui est vraiment l'objet phare de l'âge du bronze européen. Je n'aurais pas pu ne pas vous le montrer aujourd'hui, le fameux chariot, je mets des guillemets, un chariot de Trondheim dans le Sela, donc on est toujours au Danemark. C'est un objet qui a été trouvé isolément. On sait exactement où, mais c'est une fois une trouvaille de 1902, hein, donc on l'a signalé de manière un peu approximative, mais on a pu faire des fouilles de contrôle, on sait exactement d'où il provient, et on a la confirmation qu'effectivement il était tout seul, dans une tourbière. Un objet qui a été abandonné volontairement, manifestement. Alors, bon, chariot entre guillemets, pourquoi? Parce qu'on dit toujours chariot, parce que cet objet est sur roue, mais notre cheval et celui qui tire ne se trouvent pas dans un chariot. Bon, le cheval, forcément que non, mais celui qui tire non plus. Et celui qui tire, c'est clairement le soleil. Hein. Bon, donc c'est un objet qui a été placé sur roue, sans doute parce que c'est un objet de culte et que le faire bouger dans le culte, c'était important. C'est un objet donc qui participe à une liturgie. C'est intéressant. Ça veut dire que cette religion de l'âge du bronze, dont je vous suggère l'existence, avait ses rites, avait aussi sa liturgie. L'objet est la plus ancienne, est aussi la plus ancienne représentation du cheval que nous ayons sur la moitié occidentale de l'Europe. Nous sommes sans doute à l'époque des sépultures en sarcophages de chêne que je viens de vous montrer, donc vers les 1300 avant notre ère. Mais c'est tard pour le cheval. En fait, ce n'est pas si tard que ça, parce que au Proche-Orient, en Égypte, il n'apparaît pas plus tôt que le 1700-1600 non plus. Une apparition tardive hein, dans le monde, si je puis dire, en tout cas comme animal utilisé par l'homme.
Et alors, c'est un aimant de traction, d'abord, et qui est le char, effectivement, le chariot. Ce sera un aimant de monde bien après seulement. Et donc, à l'âge du bronze, chez nous, la plus ancienne représentation, c'est celle-là, et c'est dans un cadre qui est clairement non profane. C'est une figuration du cheval tirant le soleil. Tirant le soleil, donc, une image d'un cheval, qui, enfin, du cheval en tant que tracteur diurne du soleil. Alors, le disque que vous voyez sur la gauche de l'image est doré, l'or est le métal par excellence lié au soleil, vous comprendrez aisément. Il faut savoir que l'autre face, c'est celle qu'on montre quasi jamais, pour cause, n'est pas dorée. Donc c'est un objet biface. On peut le lire sur un côté, comme le cheval tirant le soleil, et on peut le lire à revers, non pas comme le cheval tirant le soleil de la nuit, il devient un autre animal quand on le retourne. Il y a en fait dans cet animal, et j'étais ravi de le constater en voyant enfin l'objet en vitrine à Copenhague, il y a toute une série de points d'ancrage pour des petits accessoires. Et ces petits accessoires, j'en mets ma main au feu, les risques que je prends là, c'est pour transformer le cheval en cerf. Alors vous direz le cerf, mais pourquoi le cerf? Eh bien parce que, en fait, quand je dis que l'âge du bronze privilégie en particulier les images de cheval, en particulier l'âge du bronze nordique, ailleurs, très peu de choses, donc l'association du cheval, du soleil du jour avec le cheval, le soleil de la nuit avec le cygne, eh bien, en fait, il y a des variantes. Il y a d'autres animaux qui interviennent dans ce bestiaire sacré, et le cerf en est un. Et le cerf est un animal nocturne dans l'affaire. C'est un animal nocturne, et ça va de soi, évidemment, quand vous voyez un cerf. Au crépuscule. Jamais le jour. Jamais le jour. C'est un animal de la nuit. C'est un animal de la nuit, et alors, pour tous ceux qui ont un bon souvenir de Bambi, qu'est-ce qu'il y a sur le pelage des étoiles? Ah oui, c'est un animal de la nuit. C'est un animal de la nuit et qu'on retrouve dans l'iconographie de l'âge du fer, associé d'ailleurs très souvent au sanglier, par hasard non plus. Alors qu'on va aller plus loin, parce qu'il y a d'autres bêtes qui sont encore plus inattendues dans ce bestiaire de l'âge du bronze. Le cheval, une fois qu'il est introduit, on peut imaginer que ce grand quadrupède, effectivement, a retenu l'attention. Le cygne, oui, c'est le plus grand oiseau d'Europe occidentale, on comprend aussi qu'il ait retenu l'attention. Ah ben non, j'ai une image, mais je vous parlerai de l'autre animal que je voulais vous introduire comme ça en catimini par cet exposé. On va le voir. Juste entre parenthèses, puisque j'ai un objet sur roue, un des clichés misérabilistes aussi, et jusque dans les panneaux qu'on mettait dans les écoles, hein, les écoles primaires, les écoles secondaires, évoquant la préhistoire, évoquant les Nerviens, évoquant les Éburons, hein, ces tribus gauloises chez nous, il y a toujours bien un chariot qui est garé quelque part avec des roues pleines. Un chariot bien primitif. Voilà le genre de roues qu'on fabrique dès l'âge du bronze sur les rives de l'Axe Suisse. C'est extrêmement élaboré, bien entendu. Et on sait par ailleurs que les charrons de l'âge du fer ont influencé les charrons romains et non pas l'inverse. Bon, revenons à Trundle. Vous l'avez en dessin, hein, cette fois, en haut à gauche, et l'analyse du décor sous les deux différentes faces. Et vous voyez que ce décor n'a pas été composé de la même façon. Les spirales sur la face nocturne, celle de gauche, et les spirales sur la face diurne ne sont pas du même type, sans doute qu'il faut les lire, comme on peut lire une écriture. Maintenant, je n'ai pas la clé de cette lecture, mais je signalerai quand même en passant, ceux qui ont beaucoup de culture, ceux qui ont un musée imaginaire bien garni, hein, c'est le musée imaginaire de Malraux, sur les stèles du cercle A de Mycène fouillé par Harry Schliemann, qui ont révélé en quelque sorte un âge du bronze, un âge d'airain, comme on disait, en Europe, il y a aussi des décors spiralés, et qui sont aussi différents d'une stèle à l'autre. N'allez pas me dire que c'est simplement pour faire joli, hein. Il y a un message dans ces spirales. Alors on s'est amusé ici aussi pour... Enfin, amusé.
à compter les différentes les disques et les spirales, etc. Et on arrive à des jeux, mais très convaincants, à vrai dire, qui sont les mêmes que ceux sur les disques portés par les jeunes danseuses que je vous présentais tout à l'heure. On est dans le même contexte culturel. Alors, en bas à gauche, vous avez un objet qui m'a beaucoup retenu, enfin pas celui-là, mais il fait partie d'une série de plusieurs centaines qui m'ont pas mal retenu ces derniers temps. Ce sont des objets qui viennent de tombes à nouveau et qui représentent, qui sont toujours, enfin quasi toujours décorés sur une face, pas les deux. Enfin, c'est toujours le monde nordique. Hein. Chez nous, il ne faut pas espérer trouver un objet pareil avec un décor, ça n'existe pas. Dans le monde nord-atlantique, dans le monde nord-alpin, pas de décor, pas de figuration, mais dans le monde nordique, oui. Dans le monde nordique, oui, et vous avez entre autres ce rasoir, entre guillemets, nouveau, avec la figuration d'un quadrupède, d'un cheval, probablement, qui tracte un disque, qui plus justement un disque solaire. C'est l'équivalent, évidemment, de ce que vous venez de voir avec Trundle, et c'est bien entendu extrêmement intéressant. Alors, bon, de nouveau, je regrette pas avoir plus de temps, mais je reviendrai une autre fois. Cet objet-là, je crois qu'il faut en fait ne pas le lire dans le sens où je vous le présente. Le sens de lecture de l'objet, et c'est important en préhistoire, hein, on a tellement peu de textes, enfin, pas de textes, qu'il faut faire l'effort de lire les quelques œuvres d'art que nous avons. Ça, c'est ma formation avec Roland Réfinement, la lecture de l'œuvre d'art. Eh bien, je pense pour le démontrer d'ailleurs, que ces rasoirs doivent être systématiquement montrés avec ce qui semble être une poignée, non pas en haut à gauche, mais en bas à droite. Donc j'aurais dû vous prévoir l'image, mais je ne pensais pas vous en parler, et puis la tentation est quand même trop forte. Faites l'effort mental de retourner cet objet. Voyez cette masse de l'objet. La petite dépression que vous avez là, qui devient une dépression dorsale, prenez ça pour une queue. Et qu'est-ce que vous obtenez? Un cachalot. Alors là, je vous vois très sceptique. Donnez-moi une demi-heure et je vous expliquerai que c'est un cachalot et pourquoi c'est un cachalot. Encore un animal qui appartient à l'imagerie de l'âge du bronze et encore un des très grands animaux. Le plus grand poisson, enfin, pas poisson, nous le savons, mais est-ce que vous le savez? Le plus grand poisson qu'on pouvait voir dans les mers du Nord, comme le cygne était le plus grand oiseau qu'on pouvait voir. Un dévoreur de ce cachalot, dévoreur du soleil sans doute aussi. Hein. Un animal qui recrache les choses aussi. C'est Pinocchio, hein. J'ai plutôt, il a passé quand même pas mal de temps à l'intérieur d'une baleine, dit-on, en fait, c'est un cachalot. Bon, on va laisser le cachalot de côté et aller voir plutôt ce que mon collègue Fleming Cole a fait de ses rasoirs. Il y retrouve en fait dans les décors tout un cycle solaire avec justement donc une association en plein jour du soleil avec le cheval, en pleine nuit du soleil avec les oiseaux d'eau, mais aussi l'apparition d'autres animaux, serpents, poissons, etc. Une imagerie dont l'interprétation évidemment est complexe, mais là le nombre d'objets conservés permet sans doute d'outrepasser un peu nos réserves. Je vous mets l'objet en bas à droite, tout en passant, parce que c'est un objet qui est orné d'une petite pastille d'ambre. Ça aussi c'est quelque chose qui circule beaucoup à l'âge du bronze, du nord au sud et de l'ouest vers l'est, et c'est un matériau solaire, comme le soleil. L'ambre avec sa couleur miel, translucide. Et puis je reviens avec mes Grecs. Pour les Grecs, l'ambre, c'est les larmes des Héliades, les filles du soleil. C'est bien un matériel solaire. Et alors, pour retourner vers les clichés, et pour terminer avec l'habitat, qui est vraiment notre acquis le plus intéressant de ces 20 dernières années de fouilles, je vous parlais de barbare tout à l'heure, et puis j'ai dit oui, bon barbare en fait. Et c'est un peu aussi l'image qu'on donne au XIXe siècle, ici à travers la peinture comme à travers la photo. La préhistorique est l'objet de beaucoup de photos
un peu limite au 19e. Bon, barbare donc, et curieusement, c'est quelque chose qui revient de nos jours. Allez voir les sites de Celtomania. Ils sont très souvent présentés comme des gens qui, oui, eux, savaient encore vivre en équilibre avec leur environnement, qui respectaient cet environnement, blabla, etc. Et donc il faut revivre comme des Celtes. Je crois qu'on se trompe assez largement là sur la pureté de nos ancêtres les Gaulois. D'ailleurs, certains de leurs comportements sont quand même des plus douteux. On peut les étudier, mais il faut, je crois, les étudier avec une certaine distance. N'oublions pas que s'il y a des grands coupeurs de tête dans l'histoire de l'Europe, c'est les Celtes. À la Jumeau, c'est un phénomène qu'on ne connaît pas tellement. Alors, qu'est-ce qui est évoqué dans le tableau d'Hippolyte Couteau? En fait, c'est ces cités, soi-disant, lacustres, qui auraient donc, sur les bords des lacs suisses, été aménagées sur le plan d'eau même. On sait maintenant que c'est une image fausse, et qu'en fait, ces villages, si on les trouve sous l'eau maintenant, c'est que la rive s'est déplacée quelque peu, on trouve dans le lac de Neuchâtel, mais que ces habitants, en fait, à l'origine, étaient en bord de lac. En bord de lac, dans des zones inondables, néanmoins, je parle curieux, mais c'est certainement une raison pour laquelle on les met dans ce contexte-là plutôt qu'un autre. Vous voyez en photo aérienne ce qu'est Saint-John, c'est absolument fabuleux ces sites. On revient ici aux conservations exceptionnelles en conditions humides. En conditions humides, effectivement, les puits en bois qui ont servi à la construction des maisons de l'âge du bronze sont parfois conservés, comme ici à Cortaillot, et vous avez le plan en haut à droite. La dendrochronologie a de nouveau aidé les archéologues ici, parce que tous les pieux, c'est en Suisse, hein, il y a les moyens, tous les pieux ont été datés par dendrochronologie, je dis à les moyens parce qu'une date dendro, ça coûte quand même quelques centaines d'euros. Hein. Tous les pieux ont pu être datés, et à travers la date, on a pu donc déterminer l'évolution de ce village sur un grand demi-siècle. C'est extraordinaire. Hein. On peut donc préciser sur les 20-25 maisons qui sont là, celle qui a été construite en premier et celle qui a été construite en dernier. Et déterminer aussi que ces villages, en tout cas ce village, et c'est vrai pour d'autres, comme Vernier par exemple, d'autres encore, n'ont en général été occupés que pendant 2, maximum 3 générations. Et alors une autre curiosité, c'est que dans l'archéologie préventive en France, entre autres, et en Grande-Bretagne, de pays où elle est en plein développement, ben, des vrais villages, on en trouve que très rarement. L'âge du bronze, l'Europe de l'âge du bronze, c'est une Europe des hameaux. Petit regroupement de maisons, 3, 4, 5, pas plus. Le village, c'est un phénomène de l'âge du fer. Ça, c'est quelque chose que l'archéologie préventive nous a fait acquérir, sauf alors, dans des conditions exceptionnelles, où manifestement l'homme était en meilleur équilibre avec son environnement, par exemple sur les bords de lac en Suisse, sur les bords de lac en Italie, sur les bords de lac péréquin, en fait, on sait que le phénomène existe également dans le sud de l'Allemagne et en Slovénie, pour ne citer que celui-là. Les sites suisses, par ailleurs, grâce au fait que donc ils ont basculé sous le niveau du lac, probablement peu après leur abandon, phase très humide en Europe à la fin de l'âge du bronze, dans les années 800, c'est probablement à ce moment-là que ces sites ont été submergés, et ils l'ont toujours été depuis. Donc comme ils ont toujours été submergés, ils ont toujours été dans des conditions qu'on appelle anaérobie, donc où l'oxygène ne fait pas son travail dévastateur en fait sur le matériel archéologique. Et donc, c'est encore un de ces contextes, comme les tombes danoises que je vous montrais tout à l'heure, où le matériel en bois, en cuir, plus rarement, le matériel globalement en matériaux organiques est conservé. Mais avant de vous montrer un exemple, maison qui est un peu plus récente, je vous l'avoue, mais pour la force de l'argument, je vous l'ai prise quand même, du Mont-la-Soie, pour vous dire que ce n'est pas parce qu'on fait de l'architecture en bois et en torchis qu'on fait pour autant de l'architecture qui ne peut pas être monumentale. Ici, sur le Mont-la-Soie, en Côte d'Or, un édifice à abside, comme vous pouvez le voir, qui fait 35 mètres de long. 35 mètres de long sur une douzaine de mètres de large. Vous imaginez les portées, vous imaginez les poutrages.
Il s'agit d'une architecture en fait extrêmement raffinée et qu'on peut comparer. Je préférerais les pardonner de comparaison ethnographique ici parce que on a beaucoup abusé en archéologie, mais quand vous voyez des maisons, les grandes maisons des hommes en Nouvelle-Guinée par exemple, c'est ça qu'il faut imaginer, je crois, parfois, enfin dans certains cas, à l'âge du bronze. L'essentiel nous est perdu, évidemment. Je parlais de la nécessité pour les Belges de l'âge du bronze, si je puis dire, d'aller chercher leur étain en Cornouailles, de le faire venir, les Cornouailles, et donc d'avoir les bateaux pour naviguer. Ils avaient des bateaux cousus, une technique très particulière et qui est propre à l'Europe, des âges des métaux. La dernière découverte en date, c'est un bateau qui a été trouvé à Dôme, dans le port de Dôme, mais non pas en conditions subaquatiques, mais dans des terrains gorgés d'eau sous les aménagements portuaires. Et alors on a pour l'âge du bronze aussi pas mal de ces pirogues monoxyles. Donc ce sont des pirogues qui sont taillées dans des grands troncs d'arbres et qui peuvent atteindre jusqu'à 10-12 mètres de long. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été déjà au musée de Tervuren, pour le moment il est fermé, mais bon, si vous étiez dans le passé, on était accueillis dans le grand hall par une immense pirogue, celle-là bien entendu, c'est fou, c'est un peu la même chose. Il y a moyen de se mettre à 10 là-dedans, hein. Il suffit de s'organiser un petit peu et de respecter les règles élémentaires de l'équilibre, mais c'est des pirogues de transport, hein. C'est pas... C'est des bateaux qui, de véritables bateaux, qui permettent un trafic, en tout cas sur les réseaux intérieurs. Mais donc il y a aussi de véritables navires qui permettent de faire de la navigation en pleine mer. En l'occurrence, on a reproduit le Dover Boat. Il s'avère qu'effectivement, en tout cas, sa reproduction, c'est une reproduction identique, est parfaitement capable d'affronter la Manche et la mer du Nord. Bon, des bateaux, on commence à en avoir quelques-uns pour l'Europe du Nord-Ouest, mais la plus spectaculaire découverte dans le genre, pour l'âge du bronze, reste un bateau trouvé sur la côte de l'Anatolie, donc la Turquie d'Asie, à Uluburun. Je vous le cite quand même parce que c'est un bateau qui transportait des lingots de cuivre chypriote vers l'Occident, manifestement. Et ces mêmes lingots, on en a trouvé des exemples en Sicile, on a trouvé des exemples en Sardaigne, et il y a peu, on a trouvé des fragments, d'accord, mais... Il fallait quand même avoir les lingots entiers pour en faire des fragments, à Oberwilfingen. Alors, Oberwilfingen, ça vous dit rien, mais c'est en Bade-Württemberg. Pour vous dire que les liens avec la Méditerranée sont des liens réels. Et alors, pour comme dernière image de matériel archéologique, c'est quelques trouvailles des lacs suisses, justement. Une perle avec de l'ambre, l'ambre de la Baltique, qui est jusque-là. Et alors, cet objet extraordinaire, je voulais garder pour la fin parce que je trouve qu'il illustre mieux que tout ce que j'ai construit jusqu'à présent. Bon, la céramique sur la gauche, c'est pas mal aussi, mais elle est là pour meubler essentiellement. Non, l'objet qui me retient, c'est ce manche parfaitement ergonomique, une faucille trouvée dans un des lacs suisses. On ferait pas mieux de nos jours. Hein. Pour vous dire qu'il faut passer ces clichés misérabilistes et que ces gens de l'âge du bronze ont fait des choses très bien. Et ont fait tellement des choses très bien qu'en fait, au point de vue armement, au point de vue outillage, au point de vue technologie des alliages cuivreux, technologie de l'heure, travail du bois, etc., etc., rien n'a changé jusque, et y compris, notre 19e siècle. La seule chose qui a été acquise par rapport à ce qu'on faisait déjà à l'âge du bronze, c'est le fer, bien entendu, et c'est un certain nombre de techniques agricoles, ça je vous le concède. Pour le reste, l'âge du bronze a vraiment une période majeure d'invention, de toute forme et de tout genre. Et je vous
Je vous remercie de votre attention avec cette petite image qui est un dessin de mon ami Benoît Clarisse, qui est un archéologue et un artiste, et qui évoque en fait pas la jeune fille d'Eitvet, la danoise, mais jeune fille comme on pouvait les avoir chez nous. Hein. En fait, c'est basé sur la documentation que nous avons à la grotte de Han. La grotte de Han, qui figurez-vous, est un des sites majeurs pour l'âge du bronze européen. Elle est habillée là de toute une série d'éléments qu'on a retrouvés parfois cassés, parfois disparates, mais bon, dans la grotte, et on peut s'imaginer, enfin je m'imagine volontiers, ces jeunes filles de l'âge du bronze sous cet aspect-là, ou en tout cas, pas avec les peaux de bête qu'on a vu tout à l'heure sur l'équivalent masculin en train de couler du bronze. Merci. Notre conférencier de nous avoir présenté cette époque de l'âge du bronze sous un angle inattendu pour les profanes comme moi, et je vous invite immédiatement à poser des questions ou à réagir. Pourriez-vous en profiter pour allumer, s'il vous plaît? Avec une société raffinée que vous avez décrite et beaucoup d'échanges commerciaux avec les pays de la Méditerranée, je m'étonne en fait qu'il n'y ait pas de traces d'écriture. Est-ce qu'elle a pu exister? Est-ce qu'elle est perdue à cause des matériaux? Oui. Je crois que c'est surtout une question de voir ce qu'est l'écriture à l'âge du bronze en Méditerranée. C'est essentiellement dans un pays comme la Grèce, par exemple, la Grèce ancienne, appelée l'IRB, un système d'archivage. Donc, la présence de l'écriture, est fort liée à la présence de l'État, d'un État centralisé, et de ce que cet État entraîne comme organisation d'échanges, de commerce, etc. Donc il faut archiver. Et l'écriture sert exactement à cela, dans un pays comme la Grèce mycénienne. En Orient, effectivement, à l'époque qui nous intéresse, l'écriture peut déjà servir à faire de la littérature, à faire des textes de nature religieuse, mais ce n'est en tout cas pas le cas en Grèce. Hein. Et de toute façon, en Égypte et au Proche-Orient aussi, la naissance de l'écriture se prenant essentiellement dans une perspective de l'exercice comptable. Hein. Il s'agit de se faciliter la besogne parce que la masse des échanges devient telle qu'il faut des techniques qui aident à travailler. À archiver et à suivre les échanges en question. Donc sans État, l'écriture en gros est relativement inutile et la notion de l'écriture comme moyen de pérenniser une littérature, ça c'est vraiment quelque chose en Europe occidentale beaucoup plus tardif. Les textes homériques auxquels j'ai fait allusion sont mis par écrit au 8e siècle, mais devaient circuler déjà au 12e. Il y a dans les textes homériques des renvois très explicites à des choses que nous savons maintenant être de l'âge du bronze. Il parle entre autres de boucliers en 8. Ces boucliers en 8 sont représentés sur des objets mycéniens du 13e siècle avant et disparaissent complètement par la suite. Donc, Homère, bon, qui est Homère, hein, ceux qui ont mis l'Iliade par écrit au 8e siècle, ben, ils n'ont jamais vu de bouclier en 8. C'est quelque chose qui est parvenu jusqu'à eux par
à travers 4 siècles de littérature orale. Et donc il y a tout cela aussi, hein, c'est l'oralité, c'est la même chose en Afrique, hein, au 19e. On n'écrit pas, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des traditions orales absolument extraordinaires. Mais c'est vrai que, par exemple, plutôt à l'âge du fer qu'à l'âge du bronze, quand on voit se constituer des grandes cités, c'est le nom qu'on utilise hein, pour désigner les regroupements politiques tribaux, la cité des Rennes, par exemple, la cité des Ardennes, c'est curieux, effectivement, de voir qu'eux n'ont pas écrit. Maintenant, c'est peut-être aussi une question de conservation. La littérature égyptienne, on la connaît quand même essentiellement par des textes lapidaires, donc taillés dans la pierre. Et on voit bien qu'à côté de ça, il devait y avoir 100 fois, 1000 fois plus de papyrus, mais ceux-là ne sont pas venus quand même tout à fait dispersés. Donc oui, c'est curieux, mais ça s'explique quand même. C'est plus curieux encore à l'âge du fer, et là je ne m'explique pas trop. Et là, je fais appel à la solution de facilité en disant bon, peut-être qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas parvenues, qui n'ont pas été conservées. Il y a des questions, entre autres, dans les textes. C'est pas César, mais c'est Strabon, je pense, Tacite, même, qui parle de textes écrits sur des feuilles. Même si les feuilles sont conservées, est-ce qu'on a conservé la faculté de lire ce texte ou est-ce qu'on a eu le réflexe, la première fois qu'on en a retrouvé des feuilles inscrites, d'aller essayer de voir s'il n'y a pas des traces d'écriture dessus. Mais c'est vrai que c'est dérangeant hein, pour nous de voir une société qui est très organisée, manifestement, car il y a un certain degré d'organisation, de complexité, où manifestement, la société est hiérarchisée, etc., qu'il n'y a pas eu ce réflexe, en quelque sorte, ou cet appel à l'écriture, alors que certains de ces gens dont j'ai parlé étaient en contact, je l'ai dit, et je n'invente pas, étaient en contact avec le monde mycénien, donc ils ont dû voir des choses. Et alors, le problème, évidemment, c'est aussi que quand alors apparaissent des documents, ils sont systématiquement mis en doute. On est tellement peu préparé à voir de l'écriture dans l'âge du bronze européen, que bon, quand il en apparaît, il y a une découverte récente à Bernstorf, en Allemagne, en Bavière. Bon, c'est pas de l'écriture de l'âge du bronze, hein, mais il y a la découverte de deux sceaux en ambre, dont un porte une inscription qui a été identifiée comme du linéaire A. Il y a 9 chercheurs sur 10 qui considèrent que cette découverte est un faux. Il y a des chances qu'elle le soit, hein. Mais le premier réflexe a été de dire que c'est un faux. Parce qu'on imagine tellement peu les documents inscrits circuler en Europe à l'âge du bronze que voilà, quand il en apparaît, la première réaction, c'est non. Voilà. La question que j'aimerais poser, je vois un petit peu ce qui vient d'être dit, c'est à propos des présentations animales ou humaines. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir justement un biais, hein? Un biais de conservation finalement, qui a oui. été fait essentiellement sur des matériaux organiques. Oui, tout à fait. Comme très peu en est parvenu, est-ce qu'on ne peut pas imaginer oui, que. Si. En fait, je dois nouveau me reporter à l'âge du fer, mais bon, c'est un exercice qui n'est pas seulement intellectuel, c'est l'âge du bronze et l'âge du fer sont fortement liés, mais ce que je regrette fortement, c'est qu'il y a très peu de collègues qui connaissent et l'âge du bronze et l'âge du fer, alors que on peut expliquer les choses de l'âge du bronze par l'âge du fer et vice-versa, forcément. Bon, c'est une matière tellement vaste. Mais, donc, pour l'âge du fer, en tout cas, la fin de l'âge du fer, c'est vrai que la majorité de la sculpture, c'est la sculpture sur bois. Mais le hasard fait qu'on en a conservé. Je pense entre autres aux découvertes aux sources de la Seine, c'est au musée Dijon. C'est des centaines d'exotos, c'est un sanctuaire qui est dédié à une divinité guérisseuse, probablement identifié avec la rivière, ça c'est la future Sequana, donc la Seine. C'est des centaines d'exotos en bois. Donc c'est des figures anthropomorphes sur pied. On a représenté aussi des jambes, des bras, bon, probablement pour remercier la divinité d'avoir guéri. La fracture, machin, mais il y a aussi des organes qui sont représentés.
poumons, thorax, bien connaissables. Hein. Bon, voilà, ok. Ça représente pas beaucoup d'importance dans ma réponse, mais ce qui est important, c'est de savoir que là, il y a des centaines de sculptures en bois. Effectivement, donc vous avez sans doute raison de dire que bon, c'est peut-être un peu rapide que d'affirmer qu'il n'y a pas eu du tout, parce qu'il y a toujours ce volet, effectivement, matière organique. Et effectivement, il y a quelques exemples de statues en bois, qui autrefois étaient mis avec ces exotos de la Seine, qui sont la grande série de référence qu'on a, hein, qui étaient autrefois donc mis avec ces exotos datés de la même époque, sur lesquels on a fait un ras de carbone, ou éventuellement une dendro entre-temps, et qui sont avérés être l'âge du bronze. Mais il y a très peu, quand même. Très très peu. Et par exemple, dans les sites suisses, où on a tant d'autres choses en bois qui sont conservées, pas le moindre fragment de quelque chose qui était sculpté, ou pas le moindre récipient en bois qui aurait été orné d'une figure, d'animal, quoi. Peut-être à l'intérieur du... Oui, mais c'est ce qu'on dit, hein. Il y a eu un article, d'article fondateur, je n'aime pas trop ce concept, mais il y a eu un article de John Alexander, entre autres, où il montrait que, bon, franchement, la seule explication, c'était effectivement une espèce d'interdit de l'image, et bon, alors, évidemment, les parallèles sont vite faits. Hein. Quand on n'est pas très nuancé, oui, regardez l'islam, hein, et quand on est un peu plus nuancé, oui, alors Byzance à l'époque des iconoclastes, ou alors l'islam de nouveau, c'est vrai qu'il y a d'autres sociétés dans le monde qui ne représentent pas l'être humain, ou qui ne représentent pas l'animal. Aussi honnêtement, hein, dans les tribus amazoniennes, par exemple, il y en a tout plein qui ne font jamais de figuration humaine. Mais dans le Nord, oui. Donc en Scandinavie, manifestement, il n'y a pas cette réticence. La petite figure que je montrais avec qui fait la roue en arrière, là, n'en est qu'une parmi une douzaine de connues actuellement. Donc il y en a, là-bas. C'est un peu à la suite des questions précédentes, parce que j'avais décrit une civilisation quand même évoluée, vu les objets quand même très évolués ou créés. Alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas bien, parce que vous avez signalé également que la vie en communauté se limitait finalement à des hameaux, de quelques maisons. Mais comment peut-on créer des objets aussi importants, aussi riches? Il faut importer des métaux, on a vu des tombeaux imposants, donc ça implique quand même que tout pour avoir tout ça, il faut quand même des communautés importantes, une division du travail, les gens qui créaient les objets, c'était pas des bricoleurs le dimanche, c'était des gens qui faisaient que ça normalement. Donc il fallait se partager le travail, il fallait cultiver aussi. Oui. Donc ça me paraît pas cohérent avec une vie, enfin, l'utilisation en un mot. Oui. Je crois qu'il faut... Il faut voir ça sous... Enfin, c'est-à-dire que ce qui est moteur, à mon avis, dans cette culture de l'âge du bronze, ce n'est pas les habitats. Cerveau, dont je vous ai parlé, mais c'est des centres relativement évanescents aussi pour nous, mais qu'on commence à trouver, qui sont des centres de réunion, de communion, même dirais-je, des sanctuaires, où on vient régulièrement, des marchés aussi, où on se retrouve, on se réunit, qui sont évidemment très difficiles à définir au point de vue archéologique. Les sanctuaires, parce que ce sont des sanctuaires naturels, et quand il n'y a pas de matériel qui a été abandonné, évidemment c'est difficile à dire pour nous, et c'est la même chose pour ces lieux de marché et d'échange, quand il n'y a pas eu abandon de matériel sur place, nous les saisissons mal. Mais c'est vrai que ces petites agglomérations
que je vous ai décrites ne peuvent pas être le moteur d'un échange sur la longue distance. Ça, c'est évident. Maintenant, les communautés, selon la classe mycénienne, sont des communautés de petite taille aussi. Hein. On parle de la ville de Mycène, mais la ville de Mycène, c'est 2000 individus, tout au plus. Bon, maintenant, moi je parle du village, il y a 200 individus, hein, c'est encore une autre échelle. De nouveau, je crois que l'âge du fer peut nous apporter quelques éclairages là-dessus. On s'aperçoit que, effectivement, ces grands marchés jouent un rôle clé dans les échanges, dans ces sociétés, au point de devenir le noyau de certaines grandes villes actuelles. C'est le cas pour du Rocortorum, par exemple, qui est l'actuel Reims. Ça commence comme une place de marché. Ça ne me satisfait pas entièrement non plus, hein, comme explication. Et c'est quelque chose sur quoi, effectivement, les spécialistes de l'âge du bronze devraient travailler. Parce que, comme vous l'avez très justement remarqué, il y a un décalage entre un raffinement extrême, entre dans les sculptures, etc., et alors un habitat qui semble très peu centralisé, très lâche, et des structures politiques qui semblent très lâches aussi. Donc effectivement, là, il y a un problème. Il n'est pas résolu. Des tombeaux que vous avez trouvés, vous disiez qu'il y avait des cercles avec des lignes et des formes géométriques. Oui. Est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une écriture avec des formes géométriques dans les dessins? Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure voilà, c'est clair que quand il y a ce décor de spirale, ça veut dire quelque chose. Nous, aujourd'hui, on ne va pas décrire ces jeux de spirale comme étant une écriture, mais ça fonctionne comme une écriture, effectivement, parce qu'il y a un mespa. En tout cas, ce qui se passe, c'est que là aussi, on essaie de faire passer un message. De faire passer un message, ces spirales veulent dire quelque chose. Et alors, rien qu'à les compter sur certains objets, on peut savoir que bon, ça veut dire quelque chose par rapport au cycle lunaire, au cycle solaire. Quand sur ces grands disques, comme le porte la petite dame d'Egved, là, hein, avec son disque sur le ventre, quand on voit que ces disques ont systématiquement, sur le bord extérieur, 28 cercles, bon, 28 cercles, c'est 28, c'est le cycle lunaire, évidemment, pas autre que le cycle lunaire. Oui. Très certainement que ces objets contiennent des messages, que certains de ces messages, on pourra les décrypter, parce que bon, nous aussi, on décompte encore le nombre de jours ou le nombre de levées de soleil entre une éclipse, entre une pleine lune et la pleine lune suivante, mais il y a des choses qui, sans doute, retenaient ces gens-là, les fascinaient, les occupaient, qui pour nous sont maintenant devenus tout à fait secondaires et qu'on ne va même pas chercher, quoi. Hein? Quand, c'est un peu une mode aussi maintenant. Hein? On sait que beaucoup des objets d'âge du bronze et d'âge du fer, d'ailleurs, contiennent des éléments de calendrier, et donc tout le monde s'est mis à compter. Bon, ça marche. Ah, c'est bien. Et puis il faudra attendre que quelqu'un trouve une autre idée qui marche aussi, et puis on s'apercevra en fait que je ne sais pas pourquoi, qu'autre chose est tout aussi important pour ces gens d'âge du bronze que de savoir que bon, il y a 28 jours entre deux pleines lunes. Pas très difficile à savoir d'ailleurs, hein, globalement. Je voulais vous poser une question, si vous permettez. Je vous en prie. Vous avez fait légèrement allusion, mais vous avez aussi marqué une certaine réticence avec la comparaison ethnographique. Vous n'aimez pas que l'on compare la préhistoire avec les tribus peu évoluées actuelles. Ce n'est pas
on ne peut pas tirer grand-chose de cela, en fait. Ça a été beaucoup fait, et je trouve que c'est un peu stérile, parce que dans la mesure où les sociétés humaines sont tellement variées et diversifiées, que si vous voulez trouver un parallèle pour un phénomène de l'âge du bronze, qui de toute façon n'est qu'un fragment de phénomène, puisque tout ce que nous avons est fragmentaire, alors il est facile, très facile, de trouver un parallèle. Je peux vous en trouver un pour toutes les idées qui me conviennent. Hein. Je trouverais bien une société dans laquelle on a aussi beaucoup insisté sur les 12 jours qui séparent l'ancienne année de la nouvelle année. Aucun problème. Et ça va même plus loin que ça. On avait un collègue actif en ethnologie, il est décédé entre-temps, hein, français, Alain Testard. Bon, Alain Testard, sur la fin de sa vie, se faisait un plaisir à chaque fois de venir au colloque des archéologues et de les gronder. Oui, mais ce dont vous parlez, par exemple la question des dépôts volontaires d'armes dans les fleuves, donc c'est vraiment un contrario hein, que je vous donne cet exemple, Testard. Oui, mais des dépôts d'armes dans les fleuves, je n'en connais aucun exemple dans les sociétés dites primitives actuelles. Donc ça ne peut pas être ça. Oui, mais c'est pas parce que ça n'existe plus maintenant que ça n'a pas existé autrefois. Donc, mais aller chercher des... C'est stimulant, hein, intellectuellement, que d'aller chercher effectivement des parallèles, mais c'est très dangereux. On l'a fait aussi, par exemple, pour la question des têtes coupées chez les Celtes. C'est quelque chose qui retient un peu l'attention aujourd'hui, on sait pourquoi. Les Celtes sont des coupeurs de têtes. Ce sont des chasseurs de têtes. Mais non, ce ne sont pas des chasseurs de têtes. Il y a des tribus amazoniennes qui sont des chasseurs de têtes, effectivement, qui à un certain moment ont besoin d'une réserve d'énergie et qui vont la chercher chez les voisins. C'est purement rituel d'ailleurs. Les Gaulois ne procèdent pas comme ça. Quand ils coupent des têtes, c'est sur le champ de bataille. Et c'est après la bataille. Ils n'ont jamais décapité personne. Ça peut être, mais ils n'ont jamais décapité personne. Ce qu'ils font, c'est ce qu'on appelle techniquement une décollation. C'est-à-dire qu'après la bataille, les vainqueurs vont sur le champ de bataille et récupèrent les têtes des vaincus, qui sont des trophées. Des trophées personnels d'ailleurs, parce que c'est la seule chose qu'on ramène chez soi. Les Romains d'ailleurs nous disent que certains de ces Gaulois avaient des collections de têtes qu'ils avaient à montrer lors des banquets. Alors moi j'imagine la scène. Hein. D'autre part, il y a aussi, vous avez fait la remarque, qu'il y a probablement des choses qui sont nées en même temps des endroits différents, sans que ce soit nécessairement la preuve d'un échange. L'idée était dans l'air du temps et c'est apparu un peu. Même pas dans l'air du temps, parce que c'est parfois avec des décalages dans le temps qui sont assez importants. La métallurgie du fer, par exemple, il est clair et net maintenant qu'en Afrique de l'Ouest, la métallurgie du fer a vu le jour totalement indépendamment, mais relativement tardivement, par rapport au Proche-Orient ancien, par exemple, ou même par rapport à l'Europe occidentale, mais totalement indépendamment. Malgré qu'il y avait manifestement beaucoup d'échanges, en fait. Et donc, je crois que c'est une des choses dont il faut revenir maintenant, mais peut-être pas dans chaque cas non plus, dans les années 50-60 du... les années 1950-1960, le diffusionnisme était très à la mode. Hein. On avait toujours inventé quelque part, et puis ça se diffusait au fur et à mesure. Bon, okay. Dans la plupart des cas, c'est clair pour faux. Il y a d'autres cas où c'est vrai. L'agriculture, c'est vrai. Enfin, je ne sais pas si vous avez des questions dans l'exposé sur le néolithique. Il y en a une sur le néolithique. Oui. Donc l'agriculture céréalière, qui est celle de l'Europe, elle a bien vu le jour au Proche-Orient et elle est venue chez nous progressivement. On a des sites avec une agriculture céréalière sur l'Euphrate vers 9500 avant notre ère. Les premiers agriculteurs, avec les céréales, effectivement, avec du blé, avec de l'orge, arrivent chez nous en 5500. Et on voit très bien, avec les dates C14, que ça évolue progressivement et sur 4000 ans, ben, ils arrivent chez nous. Quoi. Et puis ils continuent d'ailleurs, parce que dans les orcades, les dates c'est 4000. Mais donc ça, c'est un bel exemple où le diffusionnisme correspond à une réalité archéologique, et puis il y a beaucoup d'autres cas, non. Il n'y a pas de bronziers qui ont amené chez nous, du Proche-Orient, la métallurgie du cuivre, les Ibériques de l'époque ont inventé ça totalement indépendamment. Hein. De toute façon, il fallait aller chercher au moins les minerais, si pas les métaux raffinés, assez loin. Oui, et ce n'est pas un hasard, évidemment, que, bon, pour revenir à mon sujet, alors, pour les métaux,
Les premiers centres de métallurgie, ben c'est par exemple l'Anatolie où il y a d'énormes mines de cuivre, c'est le sud-est de l'Espagne où il y a du cuivre, et le cuivre vient avant le bronze. Hein. C'est clair que c'est lié quand même à la présence du minerai, et que les régions qui n'en ont pas viennent en second, ça, évidemment. Chypre aussi, c'est un... Oui, mais Chypre, justement, et ça c'est assez curieux, est relativement tardif. Ça devient mais le grand fournisseur de cuivre, le nom de l'île a donné son nom au cuivre, ça devient le grand fournisseur de cuivre au milieu du deuxième millénaire, mais pendant l'ancien empire égyptien, par exemple, le cuivre ne joue aucun rôle, le cuivre chypriote ne joue aucun rôle en Égypte. Pourtant, c'était à la limite les gisements les plus proches et les plus accessibles. Mais non. On ne les a peut-être pas encore trouvés. Il y a des choses qu'on n'a pas encore trouvées. Hein. Et par exemple, pour l'étain, c'est vrai qu'on chipotait un petit peu du côté du Proche-Orient pour savoir d'où il venait. Bon, en Occident, ça a été réglé très vite parce qu'il y a ces mines et cornouailles qui sont absolument indassemblables. En Orient, on ne voyait pas trop bien. Et puis, il y a une mission de l'université du musée de Bocco. C'est un musée qui était centré sur le travail du métal, qui a découvert d'immenses mines d'étain au Turkménistan. Voilà, il fallait que le Turkménistan soit accessible pour qu'on puisse évidemment faire l'enquête archéologique. C'est ça qui est dit en archéologie. On peut toujours dire, et puis d'autres découvertes viendront sans doute, soit infirmer ce que je viens de dire, soit confirmer, soit apporter d'autres renseignements. Surtout que c'est quand même vrai que les techniques de fouille, c'est quand même la base de tout, sont beaucoup, beaucoup plus raffinées maintenant qu'autrefois, et que d'une fouille, on peut tirer infiniment plus de nos jours. Le problème en fait, qui se pose maintenant, c'est plutôt un problème d'archivage. Il y a tellement et tellement peu d'archéologues qui peuvent traiter le matériel qu'il y a de plus en plus de choses qui sont stockées et pas utilisées. Et ça, c'est bien malheureux, évidemment. Qui viendra nous parler de la thématique des passions chez Spinoza.